Bonjour à tous, c'est AWS 2002. Aujourd'hui, on est de retour pour la troisième partie du gros spot des vacances sur la ligne Hush. Cette fois, on est de retour au PN23. Et comme vous pouvez voir, ce spot a bien commencé. Je suis à peine arrivé, j'ai couru jusqu'à là. Parce que dès que je suis arrivé, j'étais en train de me garer et le PN sonnait déjà. Et puis, bah, comme vous avez vu, une Z50 est passée, en plus avec un sifflet, donc je dis merci au conducteur. Là il est 9h12, et on va rester là jusqu'à midi et demi, parce que normalement vers midi 20, midi 25 à peu près, on aura l'infra Ternier-Sotteville ici, et normalement les trains ils passent vite, du coup normalement on aura les trains rapides, et j'espère qu'on aura d'autres HLP, fret, etc. comme hier. Indicateur, là vous connaissez bien ce lieu déjà. Moi perso, je vais rester ici, d'un côté. Bon, bah on se retrouve tout à l'heure au prochain train. Allez, à tout à l'heure. Je vois une. Vois une, encore une fois. Fret ECR, on approche. Oh purée, j'ai failli le rater. J'étais là-bas en train de déposer mon trépied. D'un coup j'ai entendu le PN sonner, j'ai vite couru, j'ai entendu un... Et de loin j'ai vu une classe 66 et je me suis dit super, j'ai encore un fret ECR. Non mais franchement c'est magnifique. Il est 9h30 et le premier fret de la journée est passé. En plus en classe 66. Voie 2.
Merci au conducteur pour son coup de sifflet. Ah bah dis donc, c'est le train laveur le plus court que j'ai vu de toute ma vie. Fret en approche. Bébé 75 000. Pour l'instant, la journée est comme ça. Il était méga long. Jamais vu ça, voie 1, voie 2, au PN23, là, jamais vu ça avant. Bon, moi je vais rester de ce côté, là, regardez. Là il va y avoir un croisement. Bébé 75 000, infra, et après ça va se croiser avec une Z50. Voilà. Z50.
7,50. À mon avis, l'infra-dernier saut de vide va arriver. Fret, dernier saut de ville. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de session. On a eu un beau croisement entre une Z50 et le Fret Ternier Sotteville. J'ai cru qu'il allait pas passer, j'ai cru qu'il allait être en retard. Mais c'est bon, il est passé. La voie 1 s'est déclenchée, je me dis si c'est une Z50 ou quoi. Et après, juste avant que le train ait passé, j'ai vu la voie 2 se déclencher, il allait encore avoir un croisement. Et pendant que la Z50 passait, je disais, oh, il y a deux trains encore. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé, on se retrouve là. Le samedi pour la dernière partie au PN 25. Allez, à plus les amis!